Bonjour à toutes et à tous, très bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Regardez, il fait beau sur la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le parc de la Villette, pour vivre encore une après-midi consacrée à l'aventure. C'est la Cité des Aventuriers que je vous propose cet après-midi. Vous étiez peut-être déjà avec nous hier et vous allez voir une alternance de tables rondes où on aura des thématiques extrêmement intéressantes, notamment la première dans un instant sur la gestion du stress lié à l'aventure. On aura aussi le handicap et l'aventure. Et puis on s'intéressera avec deux personnages truculents aux plantes comestibles que l'on peut retrouver un petit peu partout sur notre planète. Bref, des tables rondes intéressantes avec des aventuriers que vous allez découvrir ou redécouvrir. Et puis en alternance donc, vous aurez des expériences pour faire des nœuds, pour être capable de filtrer l'eau. Et vous aurez aussi un phénomène qui vous démontrera que avoir froid dans l'eau glacée, c'est peut-être une vue de l'esprit. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit une vue de l'esprit, mais il y aura une belle démonstration. Une piscine avec des glaçons, ça vous dit? En tout cas, si vous restez avec nous, c'est ce que vous verrez tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose de découvrir sous le soleil de Paris en ce dimanche après-midi notre première table ronde lié au stress inhérent à l'aventure. Et pour en parler, je suis ravi d'être ici avec Rému Camus. Bonjour. Bonjour Denis. Willem Minec. Bonjour. Bonjour Denis. Et puis nous sommes également avec Mathieu Tordeur, normalement en duplex. Mathieu, bonjour. Bonjour Denis, bonjour Rémi, bonjour Willy, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec trois super aventuriers. Alors rapidement, Rémi, formateur en survie, Willy Minec qui fait des recherches sur l'adaptation au stress en milieu hostile, notamment lié à l'escalade. Et puis Mathieu Tordeur qui lui vient de traverser l'Antarctique en solitaire. Il est le premier Français, le plus jeune à réussir cet exploit en tirant son traîneau. Et on imagine que dans tout ce que vous avez fait, parce que vous avez traversé un certain nombre de déserts, l'Australie notamment pour vous Rémi, le désert d'Atacama pour vous Willy, l'Antarctique, je le disais, pour Mathieu, il y a dû y avoir pas mal de gestion du stress à régler tout au long de ces parcours. Alors d'abord, Willy, un mot sur cette recherche que vous menez, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à cette gestion du stress? Est-ce que tous les aventuriers gèrent ça de la même façon? Plus ou moins. Globalement, en tout cas, on a tous à peu près la même approche. On utilise notamment au niveau du cerveau tous des stratégies, ouais. Parfois s'en rendre compte, mais en tout cas, on s'en sert. On s'en sert tous un peu... tu sais, comme un equalizer, ouais. Quand tu as de la musique, c'est-à-dire que, par exemple, il y aura plus de basses et plus d'aigus chez certains, donc il y en a qui vont utiliser plus de stratégies que d'autres, ouais. Mais globalement, on se sert un peu des stratégies un peu de la même façon, en tout cas, ça c'est sûr. Rémi, je voudrais qu'on revienne sur un moment très particulier de l'une de tes aventures. Tu es en plein bush australien, tu traverses l'Australie, 5400 km parcourus du nord au sud. Et là, tu te retrouves dans une situation la pire pour un humain, c'est-à-dire en manque d'eau. Exactement. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là et comment tu gères et comment tu prends la décision de vivre cette situation très précaire? Alors, c'est particulier parce qu'on sait que l'être humain, en moyenne, on dure à peu près 3 jours sans boire. Ouais, au maxi, hein, vraiment. Voilà, ouais. en moyenne. Mais c'est une règle de priorité qu'on met en survie et qui permet de savoir ce qu'on doit faire en milieu hostile. Je me retrouve en plein milieu du désert australien, ça fait 4 jours que je n'ai pas bu. Et la gestion du stress et du risque, moi je la prends à contre-pied. En fait, je prends mon appareil photo et je me dis d'abord, avant d'essayer de trouver des solutions, on va prendre une photo de ce moment-là. Si Mais une photo de toi de ou moi. Une photo de ce que tu vois? Pas du tout, une photo de moi, ouais. Avec le sourire. Avec le sourire, alors que ça fait 4 jours que tu n'as pas bu, donc tu dois déjà être bien déshydraté, complètement. À la limite de l'épuisement. Mais avec le sourire, et je me dis voilà, si il se passe... ce qui devrait se passer, si je viens à mourir, dans tous les cas, les gens qui récupéreront mon cadavre ou l'appareil photo verront la dernière photo que j'ai pu prendre de moi avec une personne avec le sourire en train de réaliser son aventure. Et puis, là, à ce moment-là, tu penses que tu vas mourir? J'en sais trop rien, mais on se pose la question, bien entendu. Ouais. Et puis, je me dis, si pour X raison je reste vivant, j'aurai un très beau souvenir de ce moment-là. Comment tu es physiologiquement et psychiquement? C'est... à ce moment-là, donc, tu n'as plus d'eau, ça fait 4 jours que tu n'as pas bu et tu vas devoir prendre une décision. Alors,
on le ressent physiologiquement. On a une façon de réfléchir qui est beaucoup plus lente. Ça, c'est vraiment que des aperçus que j'ai eus, moi, physiquement, mais sur le moment. Je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Je l'ai juste vécu vraiment. On a le regard qui diminue, qui se rétrécit. Tous les côtés, c'est le chercheur qui prend les informations et qui va ensuite pouvoir peut-être analyser. Peut-être, les... oui. D'abord du vécu, mais mettre des mots sur des sensations, des émotions. Ça devient tout flou sur les côtés et on a vraiment comme un tunnel de visibilité. Les mouvements sont très lents. On a mal aux jambes, on a mal aux bras. Les lèvres sont brûlantes. On n'arrive plus à cracher. On n'a plus rien dans la bouche. Les yeux sont brûlants. On a du sel. À l'intérieur, on a du sable qui vient s'incruster entre les dents. On ressent la difficulté de parler, la difficulté de bouger. Ouais. Et on se rend compte que l'être humain est composé à 60-70% d'eau. Et là, on s'en rend compte vraiment. Enfin, l'être humain qui boit régulièrement. Toi, il devait y avoir un peu moins de pourcentage de liquide. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quelle est ta décision? Parce qu'il y a une prise de décision. Et encore une fois, tu es seul. Donc, personne ne peut te donner de conseils. Exactement. À ce moment-là. C'est toi face à toi-même. Et en fait, la décision... Je la prends en me déplaçant tout doucement pour aller jusqu'à un prochain point en espérant quelque chose. Et je trouve une creek, donc c'est une rivière assez sèche à milieu de l'Australie. Et il y a un arbre très emblématique, le Goss Gum Tree. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un arbre tout blanc et qui a une particularité. C'est que s'il est placé là, c'est qu'il va forcément puiser une source d'eau, quelque chose pour pouvoir s'alimenter. Et donc, je commence à me poser des questions. Je vais creuser pour trouver quelque chose. Sauf qu'il y a cette gestion du risque à avoir et de se dire, est-ce que mon effort... que je vais mettre en pratique pour creuser ce trou, est-ce qu'il va être récompensé et est-ce que je vais ne pas perdre plus de fluide que ce que je vais en gagner en creusant mon trou. Et c'est un jeu qui est malsain parce qu'en fait, tu peux creuser 10 cm et l'eau, elle est à 20 cm ou 20 et à 30 et ainsi de suite. Et donc, je commence à creuser. Là, c'est la gestion du stress et des risques. Hein. Exactement. Tu es en plein dans la thématique. Et je m'arrête de creuser et j'arrive à avoir un moment de lucidité où je me dis, je suis en train de faire une connerie. Et je vais m'épuiser à faire ça. Et donc, je prends la dernière décision. Je dis, qu'est-ce qui me reste de liquide? Et je n'avais pas été aux toilettes encore. Et donc, je prends la décision de remplir. Alors, je dis remplir, c'est vraiment de remplir un peu une bouteille de vide d'urine et de décider de boire ça pour essayer de gagner quelques kilomètres de plus, dizaines de minutes de plus pour aller jusqu'à un prochain point en espérant. Et je remplis cette bouteille en étant conscient que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est forcément un déchet qu'on doit rejeter du corps humain. La couleur, elle est à peu près de ton t-shirt mélangé à orange. Oui, parce que forcément, comme tu n'as pas bu depuis 4 jours, elle est chargée de toxines. Il y a peu d'urine et elle est extrêmement chargée, donc très foncée. Exactement, elle est chargée de toxines. Et je bois ça en ayant conscience de la problématique que ça pourra causer par la suite. Et je le bois et l'odeur et le goût est tellement infect que je revomis le tout et je ferme la bouche pour ne surtout pas... perdre ce fluide qui est très important et je ravale le tout. Et ça a été pour moi, je crois, c'est ce qui te sauve. Et c'est ce qui m'a sauvé pour me permettre d'aller jusqu'à un prochain point et d'avoir un accès avec une eau à peu près potable pour pouvoir continuer. Mais c'est ce qui m'a sauvé, en tout cas, sur mon aventure. Ouais. Voilà, vous le comprenez, la gestion du stress, la gestion du risque dans les conditions les plus difficiles, les plus précaires. Mathieu Tordeur, qui est avec nous en duplex, a forcément vécu ça aussi. Moi, j'ai lu ton livre, Mathieu, et je me souviens de ce moment, finalement, assez proche du départ, où tu te lèves, et puis il y a un vent à décorner les bœufs, un vent très puissant, et au moment où tu vas ranger ton matériel, et notamment ta tente, eh bien, tu as une partie de ta tente qui t'échappe. C'est-à-dire que tu commences cette traversée qui va durer de nombreuses semaines, et... t'es déjà presque handicapé parce que tu vois partir au loin une partie de ton matériel. Alors oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, je crois qu'on prépare une expédition de nature, on se prépare un petit peu à tous les risques, au vent, au passe, au froid. Et c'est vrai que au début de mon expédition, je n'étais pas encore rompu complètement à cette expérience. D'attacher la tente, même si je le faisais de manière automatique, mais le premier jour, je me suis un peu gagné par l'euphorie de l'expédition. Et c'est vrai qu'on peut faire des erreurs. Je crois qu'il faut fonctionner par protocole dans ce genre de situation, une espèce de réflexe qu'il faut adopter. Et heureusement pour moi, après cette erreur-là, que je n'ai pas faite pendant l'expédition en Antarctique, je l'ai faite d'ailleurs dans un entraînement en Norvège, quand on a ces protocoles-là, après, on ne s'adapte pas et on n'autorise pas justement à faire des erreurs si on se retrouve dans des conditions comme tu l'es.
Alors, Mathieu, quand on prépare une expédition aussi périlleuse, aussi complexe que celle que tu as réussi en Antarctique, j'imagine qu'au départ, avec ses proches ou même avec sa propre conscience, on mesure les risques à prendre et le stress qui peut être engendré par ces risques. En fait, je crois que quand on se lance dans ce genre d'aventure, on n'est pas des têtes brûlées. C'est-à-dire qu'on est dans une maîtrise du risque. Et moi, j'aime trop la vie pour m'en remettre au hasard ou à la chance. Et donc, je crois qu'on n'est pas tous égaux face à la prise de risque. On n'est pas tous égaux face à la gestion du stress. Et moi, j'avais mitigé, contrôlé ce risque en m'entraînant beaucoup, en m'entourant de personnes qui sont des professionnels et qui m'ont formé aux bons réflexes, aux bonnes techniques. Et donc, je crois qu'avec l'expérience, on parvient justement à accepter certains risques. Après, ça reste une aventure, on ne peut pas tout contrôler. Mais je crois qu'on arrive à se mettre dans ces situations-là en connaissance de cause grâce à l'expérience. Et donc, forcément, il y a une part de risque et d'aventure, mais ça fait aussi partie du voyage. Ah, il y a beaucoup d'aventuriers qui, en ce moment même, avec cette pandémie, disent que on n'accepte pas que l'humain aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de guerre, parce qu'il n'y a plus finalement énormément de dangers, on a du mal à accepter le risque. Willy, tu organises des stages de survie. Est-ce que, justement, dans ces stages de survie, avec des gens qui sont parfois des béotiens, tu es capable d'aborder cette gestion du stress, du risque? Bien sûr, déjà parce que c'est quelque chose qu'on subit tous les jours. Le stress, il est quotidien, et peut-être dans le travail ou dans toutes les activités. Donc, travailler la gestion du stress en pleine nature, ça va avoir des retombées dans ta vie de tous les jours. L'avantage, c'est que le milieu de la pleine nature, encore plus du coup les milieux hostiles, du coup vont être des catalyseurs de toutes ces situations-là. D'accord ? Tout va être décuplé, et notamment au niveau des émotions. Et le principe, avant tout, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, parce que du coup, elles vont plutôt inhiber du coup toutes nos réactions. Et pour revenir à quelque chose d'extrêmement pragmatique, donc l'entraînement dont parlait par exemple Mathieu Torder, ben c'est exactement ça. Il faut à tout prix qu'il y ait une préparation avant, déjà, parce qu'il va y avoir une confiance en soi qui va être acquise. Tu vois, tout simplement parce que tu vas apprendre à savoir en faisant, comme toi tu l'as fait par exemple, avant de partir dans le désert, l'arbre tu l'as reconnu parce que tu l'as appris. Ouais. Tu sais ce que c'est. Il faut donc, des connaissances au départ. Il faut on des peut connaissances. Pas partir comme ça la fleur au fusil. Non, 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 non. Tout ça, ça va t'apprendre donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ouais. Et une fois que tu as ça, sur le terrain, tu as gagné en confiance. Et du coup, tu es dans un milieu qui, finalement, tu es beaucoup moins étranger, donc moins hostile. Finalement, il y a le savoir-faire. Et puis toi, tu représentes le faire savoir à ces gens et notamment à ces aventuriers en herbe. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi à ce que ça a entraîné comme conséquence dans ta vie personnelle et dans ta vie d'aventurier, Rémi. À savoir que l'eau est devenue un point central de ce que tu fais et de la recherche et de ce que tu as envie de mettre en avant, notamment lorsque tu as parcouru, là ça me paraît complètement insensé, écoutez bien, 2650 km à la nage entre Dunkerque et Monaco pour alerter, pour sensibiliser sur cette pollution de l'eau de plus en plus importante en France évidemment, mais dans le monde. En général. Exactement. L'eau est un élément essentiel à la vie sur Terre. Elle est plus que primordiale. Je m'en suis aperçu lorsque j'ai fait la traversée de l'Australie en courant. J'ai décidé d'en faire mon cheval de bataille parce que si moi, ça m'avait affecté sur mes 100 jours de traversée, il y a des gens, c'est toute leur vie, qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau, et qu'elle soit potable ou non, mais juste à l'eau. Donc j'ai fait ma deuxième aventure avec la descente du Mékong, où là j'ai vraiment voulu comprendre les populations avec l'abondance de l'eau, mais qui était une eau polluée. Et quand on se rend compte de la quantité de déchets qu'il y a sur ce fleuve du Mékong et qui viennent se déverser dans les mers et océans, je ne savais pas si la population française était au courant des quantités de déchets qu'on pouvait retrouver. Et donc j'ai décidé de faire un tour de France plus à la nage. Plus de 6,5 millions de tonnes de plastique déversées chaque année dans les mers du monde. 6,5 millions de tonnes. Ça fait 634 tonnes à la seconde. Ouais. Si on regarde depuis le temps qu'on a commencé notre petite table ronde, ça en fait des déchets. Et donc j'ai voulu alerter de Dunkerque à Monaco en vraiment essayant de sensibiliser les gens et notamment les petits bouts de chou, les enfants en primaire, dans les écoles, etc. Parce que c'est pour moi important et c'est un vrai combat.
Mathieu Tordeur, qui a traversé l'Antarctique avec nous en duplex. Moi, je voudrais que tu nous racontes, parce que la gestion du stress, elle était forcément, et des risques permanents sur cette traversée, ce pèlerinage au milieu de l'Antarctique. Tu te souviens du moment où ton téléphone se décharge et où tu cherches dans ton sac de quoi le recharger? Je te laisse raconter la suite parce que c'est tout bête. Mais quand on est seul au milieu de rien, sous une latitude aussi compliquée, ça peut devenir catastrophique. C'est vrai, ouais, ça paraît pas grand-chose, mais il faut voir aussi l'état dans lequel nous on est quand on part en week-end et qu'on oublie le chargeur de son téléphone. Parfois, on peut être un peu stressé si on a du boulot ou si on attend un coup de fil important. Là, c'est vrai que ce qui s'était passé, c'est qu'au bout du 20e jour de mon expédition, je décharge mon téléphone satellite parce que tous les jours, j'envoie du contenu, tous les jours, j'envoie ma position à ma base arrière. Et au bout de 20 jours, je prends mon sac dans lequel il y a toute mon électronique. Et je vais chercher le câble pour aller recharger mon téléphone satellite. Sauf que bah, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, on a plein de câbles différents. Il y a l'USB-C, le micro-USB, le mini-USB, l'USB 3 ou je ne sais pas quoi. Et moi, je me souviens que j'ai laissé derrière moi un câble spécifique pour recharger le téléphone satellite. Et je m'aperçois à ce moment-là que je n'ai pas le câble, que je l'ai laissé à Yuning Glacier, qui est donc sur la côte du continent antarctique. Donc là, je te laisse imaginer un peu la bouffée de chaleur que je peux avoir. Heureusement pour moi, j'avais une deuxième batterie, une batterie amovible qui était chargée à 100%. Et donc, il m'a fallu économiser cette batterie pour les 30 jours suivants. Mais c'est vrai qu'une petite erreur comme ça peut rapidement dégénérer. Et en Antarctique, c'est symptomatique, quoi. Chaque petite erreur peut rapidement devenir un vrai problème. Tu parlais de la tente tout à l'heure. C'est vrai, si tu laisses s'échapper la tente dans le vent, il n'y a rien pour la retenir, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers, c'est un vrai grand désert. Donc, il faut attacher la tente, il faut attacher ses gants quand tu fais pipi, par exemple, il faut être vigilant, il ne faut rien laisser dehors. Donc, c'est un environnement qui est très, très, très contraint et qui nécessite justement une présence à soi et une vigilance hyper extrême, quoi, hyper intense. Et je crois que pour atteindre ce niveau de vigilance, il faut vraiment s'entraîner. On en parlait tout à l'heure, mais la prise de risque, elle est intimement liée à la notion d'expérience et d'entraînement. Moi, je ne suis pas parti en claquant des doigts en Antarctique. Il y a eu 4 ou 5 expéditions polaires avant de partir, au Groenland, au Spitzberg, en Norvège, pour me rompre à cet exercice. Parce que moi, je suis normand, je connais bien la pluie, je connais moins la neige, et je ne suis pas né dans les montagnes, donc il a fallu évidemment beaucoup s'entraîner. Et la préparation du matériel avec le téléphone en fait partie. Moi, j'ai fait cette erreur. C'est vrai que quand on est dans ce genre d'expédition, on pense à tout, 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 et il y a forcément des petites choses parfois qui passent pas. Heureusement pour moi, j'avais une deuxième batterie et ça m'a permis de continuer sereinement. Mais j'avais un peu cette épée de Damoclès de ne pas pouvoir recharger mon téléphone satellite. Willy Ménac, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mathieu Tordeur. L'hypervigilance, c'est aussi la base. Parce que quand on part sur une aventure, je pense à la vôtre, celle de Rémi ou celle de Mathieu, encore plus, a fortiori, quand on est seul, on se doit d'avoir une préparation énorme, mais à l'instant T, d'être dans une lucidité absolue pour faire le moins d'erreurs possible. Quand tu es dans un milieu hostile, ouais, il faut forcément t'adapter au milieu pour pouvoir justement y progresser et que c'est ça se passe pas le milieu pour le mieux, qui s'adapte à toi, on est d'accord. C'est certain. Et donc, du coup, pour s'adapter, il va falloir que tu observes ton milieu, ouais, pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir agir en fonction. Ouais. Mais donc, l'observation, elle est capitale. Plus tu vas observer, plus tu vas t'immerger dedans. Ouais. À un point que du coup, même ton inconscient travaille pour toi, c'est-à-dire qu'il va analyser plus vite que toi. Je me souviens, dans le traversée du désert d'Atacama, j'étais dans une zone qui était minée, ouais, parce que c'était proche avec la frontière bolivienne, ouais, et Chili-Bolivie. Et du coup, mon cerveau a analysé à un moment donné, au loin, ce qui ressemblait donc au-dessus d'une mine antipersonnelle. Ouais. Parce que du coup, pour progresser dans ces terrains-là, il faut un permis d'expédition. Ouais. On va donc au consulat militaire. C'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait des mines antipersonnelles dans ce coin-là. Ouais. Mais bon. Et donc, on te montre différents types de mines et on te dit voilà ce que, ouais, tu peux rencontrer, attention. Et donc, mon cerveau l'avait analysé avant que moi,
du coup, j'en prenne réellement conscience. Et c'était effectivement une mine ? Alors, non. Non, c'était un couvercle rouillé de boîtes de conserve. Bon, il valait mieux que ce soit ça. Donc maintenant, l'anecdote est ridicule, si tu préfères. Non. Mais c'est... En tout cas, tout ça pour te dire que la vigilance, elle est hyper accrue parce qu'elle est nécessaire. Allez, une question ou deux qui viennent des internautes qui nous écoutent, qui nous regardent. Mathieu, Rémi et Willy, c'est pour vous. À quel niveau, dans votre vie de tous les jours, cette expérience d'aventures multiples et variées, avec les difficultés rencontrées dont on vient de parler, vous a changé au quotidien, Rémi ? Je pense que le fait de partir en aventure m'a permis de comprendre plus facilement les gens, d'être plus respectueux des gens, même de comprendre les autochtones, des civilisations beaucoup plus lointaines, et de m'apercevoir qu'on a une chance inouïe de vivre sous nos latitudes, et c'est quand même plutôt agréable. Et comprendre le stress aussi des autres, puisque on le comprend, vous êtes habilité maintenant à gérer votre propre stress, mais est-ce qu'on est capable de gérer celui des autres aussi ? C'est pas qu'on arrive à comprendre celui des autres, on essaie de l'anticiper. Ouais. En 2019, j'ai emmené un groupe de personnes en Australie. On a fait 400 km à pied dans le désert australien pour aller à la rencontre des aborigènes. Des gens qui n'étaient pas rompus à l'aventure, qui ne sont pas des aventuriers professionnels. Pas du tout. On a commencé par les ensabler pendant 8 heures sur une plage côté de Barfleur pour leur faire prendre conscience qu'il fallait avant tout se dépasser mentalement plutôt que physiquement, et c'est ce que je voulais, et en même temps créer une vraie cohésion. Ouais. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est qu'on part avec des gens qu'on ne connaît pas, et il va bien falloir apprendre à cohabiter. Et la plupart des gens ne savent pas comment est-ce qu'ils vont réagir sous stress. Est-ce qu'ils vont être agréés ? Et en fait, c'est l'instinct naturel qui remonte au galop très rapidement. On a des gens qui s'énervent plus facilement, qui sont un peu plus irritables, etc. Et c'était mon rôle de tempérer tout ça. Voilà, de trouver les compromis. Voilà, ça va bien se passer, t'inquiète. Et ça a été pour moi un apprentissage et une sortie de ma zone de confort parce que je n'avais jamais fait ça avant, de pouvoir encadrer des gens qui n'étaient pas issus du milieu de l'aventure. Oui, mais en te servant de ta propre expérience de la gestion du stress. Tout à fait, en me servant de tout ce que j'avais appris et en essayant de canaliser mes émotions également pour ne pas les repartager, pour pas qu'eux, à leur tour, deviennent stressés par l'environnement dans lequel on était. Mathieu, évidemment, on parle de cette dernière aventure la plus médiatisée, celle que tu as décrite avec beaucoup de précision dans ton bouquin, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ? À part de te faire courir de plateau en plateau de télévision pour raconter ton histoire, est-ce que tu es un autre homme aujourd'hui ? Ben déjà, je reviendrai un peu sur ce que dit Rémi, qui est très vrai. Avant de partir en Antarctique, moi, j'avais eu la chance de faire aussi un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance pendant un an. Et ce genre d'expérience te remplit d'humilité parce qu'on se rend compte la chance inouïe qu'on a d'avoir un passeport français, d'être capable de voyager. Enfin, c'est assez dingue quand tu te balades en Inde et que tu vois effectivement la misère que tu peux croiser et toi, ta condition de petit français privilégié. Donc, je crois que ce genre d'expédition, ce genre d'aventure te rendent d'une certaine façon peut-être plus humble ou en tout cas, tu te rends peut-être mieux compte de la chance que tu as, c'est la première chose. Sinon, sur l'Antarctique, je pense que ça t'apprend aussi à relativiser, c'est-à-dire que les petits soucis qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, c'est pas grand-chose quand on s'est confronté à la faim, quand on s'est confronté à la soif, par exemple, comme Rémi dans le désert en Australie. Donc, je pense que ça permet de relativiser. Et puis, je terminerai par dire aussi que, en tout cas, dans mon expérience, qui était un peu une expérience du minimalisme volontaire, parce que moi, je tirais dans un grand traîneau tout ce dont j'avais besoin pour survivre pendant 50 jours. 50 jours, c'est quasiment 2 mois. Ouais. J'avais toute ma nourriture, j'avais mon réchaud, j'avais ma tente, mon sac de couchage, etc. Mais tout ce que je transportais avait une vraie utilité, avait une vraie valeur et avait un vrai sens. Et ça, quand on fait cette expérience-là pendant 2 mois, de ne manquer de rien, finalement, je trouve qu'on se rend peut-être un peu mieux compte de la valeur des choses. Et je ne suis pas revenu en France en devenant minimaliste pour autant, mais ça m'a quand même fait réfléchir sur ma façon de consommer, sur ma façon d'acheter des choses et le sens que je pouvais avoir dans mes actes d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui a été intéressant, cette expérience du minimalisme volontaire.
Willy, ton expérience personnelle, évidemment, pourquoi finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre toutes ces aventures? Mais je voudrais qu'on globalise un petit peu, parce que comme tu fais une recherche là-dessus aussi, est-ce que tu sens que les gens qui partent à l'aventure, mais ce n'est pas forcément une aventure au bout du monde, hier on évoquait les micro-aventures à la porte de chez soi, est-ce que c'est quelque chose qui permet de gérer son stress, de le diminuer et de permettre aux gens qui osent partir, eh bien d'être plus en accord avec eux-mêmes? Déjà, ça va te permettre de diminuer ton stress parce que dès que tu vas tenter quelque chose, que ce soit une micro-aventure justement, ou ouais. tu vas tenter quelque chose d'un peu original, mais même en France, ouais. tu sors de ta zone de confort. Bien sûr. Et donc, du coup, si tu arrives à faire ne serait-ce que cette aventure-là, tu vois, tu vas gagner en confiance en toi, en soi. Donc, du coup, cette confiance, forcément, elle va jouer sur ton stress et tu vas, t'es plus à même de faire face, du coup, la prochaine fois, quoi. Évidemment. Mathieu, tu parlais de tout ce que tu avais emmené avec toi, ce qui était évidemment indispensable. Mais si je ne m'abuse, le début a été compliqué parce que tu attendais des températures beaucoup plus fraîches. Finalement, la neige était beaucoup plus molle que tu ne l'imaginais. Tu as progressé moins vite. Et donc, à la fin, il a fallu te rationner considérablement parce que finalement, tu n'avais pas pris suffisamment de nourriture pour prolonger ton séjour compte tenu de ton avancée au départ assez réduite. Oui, effectivement. Alors là, je ne vais rien apprendre à Rémi et Willy, mais quand on part en autonomie, il y a toujours une vraie problématique, c'est le poids, combien de matériel ou de nourriture on est capable d'emmener. J'aurais pu emmener 100 jours de nourriture, mais je n'aurais pas été capable de tirer 100 jours de nourriture. Il faut toujours être dans ce calcul. Et c'est vrai que moi, j'ai été surpris fin 2018 en Antarctique par les températures très chaudes. Alors très chaudes, il faisait moins de 0, mais il a fait 20 degrés au-dessus des normales de saison. Donc à la place de température de moins 25, il a fait pendant 2-3 semaines moins 2, moins 5 degrés. Et ces températures élevées s'accompagnaient de chutes de neige importantes. Et l'Antarctique, c'est le continent le plus sec du monde. En moyenne, ça reçoit moins de précipitations que l'Afrique. Et moi, j'avais 30, 40 cm de neige fraîche qui tombait comme ça tous les matins. Et ça, ça m'a ralenti. Ça m'a ralenti parce que mon traîneau s'enfonçait dans la neige. Moi, je patinais un peu dans la neige aussi. Et du coup, les 50 jours de nourriture que j'avais emmené avec moi n'allaient pas être suffisants au rythme auquel je me déplaçais. Et donc, effectivement, il a fallu me rationner assez tôt, c'est-à-dire mettre 10% de ma nourriture de côté tous les matins. 10% de mon petit déjeuner, 10% de mon déjeuner et de mon dîner pour pouvoir accumuler une réserve de nourriture et pouvoir tenir plus que 50 jours. Et puis après, il a surtout fallu allonger considérablement les journées de ski, pas prendre de jours de repos et skier comme ça 12 heures tous les jours pendant 50 jours. Et c'était à ce prix que j'ai pu atteindre le pôle en autonomie alimentaire comme je me l'étais fixé. Mais c'est vrai que dans ces difficultés-là, il faut redoubler de stratégie et s'adapter. Allez, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Ça passe à une vitesse, cette demi-heure d'entretien avec des aventuriers aussi prolixes que vous êtes. Est-ce que c'est plus facile? Je pense que la réponse va être oui, mais dans quelles conditions est-ce que c'est plus facile de gérer le stress quand on est plusieurs, au moins deux, par rapport à une aventure en solitaire, Willy? Oui, c'est plus facile. C'est pas faux de dire qu'évidemment, en groupe, on est plus fort. Ouais. Hein, tout simplement. Mais il faut gérer aussi les personnalités parce que quand on est stressé, forcément, on n'est pas forcément soi-même. Et avoir un groupe avec un certain nombre de gens stressés, ça doit être aussi compliqué à gérer. Bah, tu vois, tu as reçu hier, tu avais la table ronde pour Deep Time. Ouais. Deep Time, c'est l'exemple même, l'hyper-confinement du stress majeur qui peut être créé ouais. par le confinement d'un grand groupe, tu vois. Donc, effectivement, il y a ce stress-là qui va être créé parce qu'on est en H24 ensemble quand ouais. on part à plusieurs. Et donc, il y a ce stress-là à côté. En revanche, le stress, on va dire, un peu commun de l'environnement, ouais. d'accord, qui est hostile envers toi, ça, il est beaucoup plus facile à gérer. Ça, ouais. c'est certain. Rémi, est-ce que quand tu t'es retrouvé justement au milieu du désert dans cette difficulté extrême, tu t'es dit, mais si on était deux, ce serait plus facile? Je ne sais pas si ça aurait été plus facile à deux, parce qu'il faut gérer les émotions des autres. Ouais. Et on se retrouve également avec une contrainte de, si je trouve de l'eau, est-ce que je vais en avoir suffisamment pour deux personnes? Ouais. Moi, j'ai toujours pris le parti de partir seul.
parce que je ne voulais pas gérer justement, avoir à gérer une autre personne et avoir… C'est un vrai stress de devoir gérer l'autre. Pour moi, c'est un vrai stress en plus. Ouais. Ouais. Et c'est un vrai risque. Et c'est un risque en plus parce que je ne voulais pas avoir sur la conscience, pour X raisons, s'il se passe quelque chose, la personne vient à mourir, je ne voulais pas avoir ça sur la conscience. D'accord. Et c'était un choix de partir à chaque fois seul, comme ça au moins je pouvais gérer mes émotions. Et en fait, on se connaît, plus on fait d'aventures, plus on apprend à se connaître et plus on arrive à gérer ce stress et ces émotions. Et à partir à plusieurs, je ne sais pas du tout comment… Les gens ne se connaissent pas en fait. Et ils ont, surtout dans la difficulté. Exactement. Et ils ont besoin de sortir de leur zone de confort, etc. Et on revient sur ce que disaient Mathieu et Willy avec la préparation. La préparation est en amont et cruciale. Il est tellement plus simple de gérer les problèmes quand on est assis devant un ordinateur avec une bière à la main qu'en plein milieu du bush australien. C'est clair. C'est tout simple. Mais ça, c'est un truc, la préparation en amont, et donc forcément, ça découpe après la problématique du stress. Mathieu, rapidement, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu ton aventure en solitaire en Antarctique. Néanmoins, à un moment, comme par hasard, tu t'es retrouvé avec un compagnon d'infortune qui faisait pas tout à fait la même route, mais qui avait le même objectif de traverser l'Antarctique. Il me semble que c'était un aventurier japonais. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, le solitaire que tu étais a trouvé du réconfort, ne serait-ce que quelques minutes, à partager le quotidien de quelqu'un d'autre ? Alors, c'est vrai qu'on s'est croisés parce qu'on visait chacun un point au milieu de l'Antarctique qui est un point GPS qu'on devait atteindre. Et Massa, cet aventurier japonais, partait d'un autre point de la côte du continent. Mais on s'est retrouvé à ce point-là pendant quelques instants. C'était réconfortant de croiser une autre personne et de pouvoir échanger quelques mots. D'un autre côté, quand on se lance dans une expédition solitaire, on va chercher quelque chose, on s'installe dans une habitude. Et c'est quelque chose qu'on prend du temps. Et là, en croisant cet aventurier japonais, eh ben, je brise complètement cette solitude que je suis venu chercher. Et donc, ça a été bref. On s'est tapé dans le dos. On s'est demandé comment ça s'était passé. Et lui aussi avait souffert des mauvaises conditions. Mais on a rapidement repris notre chemin. Et on n'a surtout pas compris. En fait, je crois qu'on était chacun dans les aventures solitaires avec des raisons qui nous étaient propres. Et peut-être content de se voir, mais on n'avait pas non plus envie de passer. C'est curieux. Merci en tout cas, Mathieu, Rémi, Willy. Merci, pour vraiment ces propos. Bravo pour les aventures que vous vivez. Je suis persuadé que vous allez repartir dès que vous le pourrez. Mais encore une fois, peut-être aussi pour des aventures plus proches de chez nous. Il faut savoir s'adapter aussi aux conditions. Ce que je vous propose, c'est dans quelques instants de vous retrouver pour une autre table ronde qui sera forcément très émouvante. Le thème, l'aventure et le handicap, avec Violette Duval, Myriam et Pierre Cabon et Samuel Marie qui viendront nous expliquer comment, en étant handicapé, en ayant donc une défaillance quelque part, on est quand même capable de partir à l'aventure et souvent autour du monde. Mais d'abord, Willy, vous allez passer d'un univers à l'autre, la table ronde jusqu'à la démonstration, parce que vous c'est le savez, tout au long de l'après-midi, on va alterner table ronde et expérience. Et là, ben, vous allez vous inspirer de ce qu'a vécu Rémi, en tout quelque sorte, puisque vous allez nous expliquer finalement comment on peut trouver de l'eau, et quand cette eau n'est pas potable, comment la filtrer pour pouvoir ensuite la boire. L'expérience tout de suite, et puis on viendra avec les tables rondes. Merci infiniment, Mathieu, Rémi et Willy. Merci, Denis. Merci, Denis.